Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog assez intéressant, dans lequel on va lire Petit ours brun aime sa maman, de Daniel Bourg. Voilà, merci Daniel de nous offrir cette lecture aujourd'hui. Petit ours brun, ça commence extrêmement bien, vraiment la meilleure lecture. Petit ours brun est fier de sa maman, surtout quand elle met son collier blanc. Petit ours brun a comme des frissons quand il sent comme elle sent bon. Regardez, vous voyez, elle a fait un dessin en plus. Elle dessine très bien, hein, la maman de Petit ours brun. Petit ours brun rit un bon coup quand c'est maman qui fait coucou. Elle a ouvert la porte de la chambre et elle lui a fait coucou. Qu'est-ce qu'on s'amuse. Putain, page suivante. Alors, Petit ours brun n'a peur de rien quand sa maman lui donne la main. Même quand il y a un gros chien. Parce qu'il aime manger du pain. Petit ours brun est rassuré quand sa maman le tient serré. Ouais. On va passer à la suivante. Petit ours brun se sent presque guéri quand elle murmure « Là, c'est fini. » Alors j'imagine extrêmement bien la scène. Il a un cancer, il est à l'hosto avec des tonnes de trucs. Là, c'est fini. C'est bon, je peux rentrer chez moi, tout va bien. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'elle est géniale, sa maman. Petit ours brun est bien content que cette maman soit sa maman. Bah, fantastique, on est content pour lui, Petit ours brun, vraiment. Alors, nous pouvons voir, c'est donc la fin de cette histoire hein, qui était, ma foi, fort intéressante. On peut voir, attendez, hop là, voilà, c'est beaucoup mieux si je fais ça en fait. Petit ours brun dit non, Petit ours brun, elle est baisée, Petit ours brun dans son bain, Petit ours brun fume de la beuh, Petit ours brun tape sa petite sœur. Enfin, vraiment, il y en a plein de très sympas. Mon préféré, c'est quand même Petit ours brun se casse une jambe. Mais bon, ça, on le lira une prochaine fois. Merci à tous d'avoir suivi cette aventure en compagnie de Petit ours brun, de sa maman, de Daniel Bourg et de moi-même. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle lecture d'un livre encore plus intéressant. J'ai un livre, déjà une idée de livre pour la vidéo suivante, qui sera potentiellement en plusieurs épisodes. Je pense que vous pouvez le deviner. Mais voilà, il serait peut-être temps que je m'y attaque. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à dislike parce que Petit ours brun, c'est quand même un sacrifice de tong. Et voilà, merci à tous. Adieu. C'est marrant, on voit le reflet de la lumière là. MDR!